J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Juste en conseil, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. C'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Mars, les amis. C'est trop bien. Vous avez vu qu'hier, on est arrivé sur Mars. Un peu délicatement, les gars, on a trouvé un alien qui s'appelle Zuzul. C'était vraiment super génial. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle était vraiment super géniale. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Awacraft ou même Carlos l'alien ou Rizawa. C'est tout dans la description, les gars. Je compte sur vous. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et je vous donne pas de défi de like. C'est vous qui faites péter les pouces bleus, les gars. Si vous voulez des vidéos sur Mars, mettez un maximum de likes. Ah, vous êtes déjà réveillé, Carlos et Luna? Oui, oui, on est réveillé. Il est où, Dédé? Bah, je dors encore. Oh, mais. Attendez, il dort dans une baignoire, lui? Il a pas aimé, Dédé, réveille-toi de ta baignoire, tout de suite! Qui c'est là qui veut me réveiller? Bah, c'est nous, t'es sérieux, tu dors dans une baignoire là? Qui c'est qui l'a mis dans la baignoire? C'est toi, Warren, j'en étais sûr. Non, non, c'est pas moi, c'est Carlos, je crois. Carlos, c'est méchant. T'es malade, c'est pas moi qui t'ai mis dans la baignoire, c'est là, bon, c'est pas grave. Ah, bah, c'est toi, Dédé, t'es allé tout seul dans la baignoire. Mais j'ai bien faim, hein. J'ai bien faim. Ok. Et t'as faim, je sais pas. Attendez, par contre, avant de manger, je vais juste regarder un truc en haut. Faut qu'on aille voir l'alien d'abord. Ok. C'est vrai que les. Oh, mais. Y'a personne. Zuzul? Oh, mais Zuzul, il a cassé le mur. Il a cassé le mur. Bon, on remonte en bas. Je sais pas où il est, Zuzul, les gars. Peut-être qu'il s'est enfui. Allez, on remonte en bas. Ah oui, on descend en bas, pardon. Ok, ok. Bon, du coup, on va manger. Qu'est-ce que vous voulez manger, Dédé et tout là? Tonton, tu veux manger alors que l'autre se barre? Mais on s'en fout, c'était pas notre pote, Carlos. Mais y'a plus rien à manger. Ah bon, y'a plus rien? Ah oui, les coffres sont vides, les gars. Y'a plus rien à manger. T'as tout mangé, Carlos. T'as tout mangé. Mais comment on fait, du coup, Dédé? Ah bah, je sais pas, moi, c'était. T'as faute à Waris, t'as pas prévu. Les gars. Ouais. Y'a des gens devant la porte. Ah bah oui, c'est bon, mais... Ah, ça toque. Oui, entrez. Bonjour, police nationale de Mars. Vous allez devoir me suivre. Ah, vous êtes la police de Mars? Oui. Carlos, va cacher ma fille. Oui, bah attendez, je vais appeler mon ami. De toute façon, y'a personne en haut. Carlos, cache Luna. Luna, cache-toi. Allez, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais je dois procéder à un contrôle, vérifier s'il n'y a personne dans la maison. Pourquoi faire le contrôle? Pourquoi faire le contrôle? Bah oui, pourquoi faire? Il y a personne de toute façon. Ah, Waris, viens voir, j'ai un truc à te dire. C'est peut-être à cause de ça, viens voir. J'ai peut-être fait une bêtise. Avant de dormir, j'ai mis ça pour qu'on soit tranquille. Qu'est-ce que t'as mis? Ne venez pas, s'il vous plaît. Nous sommes pas en règle. Pas de papier. On est des potes à Usco. Oui. Mais t'es sérieux? Pourquoi t'as mis ça? Bah comme ça, ils venaient pas nous contrôler, ils auraient eu peur. Mais Dédé, t'es bête ou t'es bête? Mais justement, ici, c'est des policiers, ils arrêtent les personnes qui aiment Usco. Ah ouais, d'accord, mais Usco, c'est notre ami, monsieur. Mais non, c'est notre ennemi. Ennemi. On a un bateau chez vous et suivez-nous. Oui, voilà. Ah, on doit vous suivre. Suivez-moi. Hey, Carlos, les aliens, ils veulent nous arrêter. Ah ouais, attendez, qu'est-ce que t'as dit? Tu leur as dit quoi, Carlos? Quand je marche, ça, je leur ai dit 2 secondes, on va parler. Ah bon, et ils t'ont dit oui? Ils ont dit oui. Par contre, ça, ils nous laissent pas beaucoup de temps. Bon, Awaris. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, on est mal parce que la police de Mars, c'est pas comme la police sur la planète. Ah eux, bon? Ils sont beaucoup plus violents. S'ils nous voient, si vous, surtout vous, vous êtes des étrangers, ils peuvent vous tuer. Moi, je dis j'ai oublié de vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a des... J'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, j'ai des papiers. Tenez. Ah, t'as les papiers? Oui, je les ai coupés ce matin. Mais on a besoin de papiers d'identité. Ah, car, des pas papiers, de papiers. J'ai envie mais des papiers. Mais pas du papier toilette. Mais j'en ai Ah, bon. Je les ai Tu leur as dit quoi? On a enlevé 2 secondes. Mais je crois que... 2 secondes. Papas, oh punaise, ils ont les armes. Moi, j'ai l'idée. Vite. Venez, on s'enfuit. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais on s'enfuit par où? Eh, par la gauche. Ok, à gauche. Vous êtes prêts? Laissez-moi parler. À 3 en Attendez. Regarde juste les armes qui sont en 2 secondes. Regarde. Ah ok, on va refermer les gars, ils sont armés jusqu'aux dents. Est-ce qu'on tente quand même le truc? Ouais, on va tenter, ouais. T'es prêt? Regarde. Écoute-moi. Ok. Écoutez-moi. Messieurs, oh, regardez, une licorne! Une licorne derrière vous! Ah, quoi? Une licorne? Ah, mais on part! On est ici, dépêchez-vous! Non, non, oh, oh, il tire! Stop, on s'arrête, c'est bon! Carlos, t'avais raison, Carlos! On a fait une petite promenade. C'est bon, Carlos, parle leur français, ils comprennent le français, Carlos. C'est quand je parle en langage blindé. Reviens ici, toi. Ok. Dédé, reviens, après ils vont tirer dessus. Ah, oui, d'accord. Vas-y, on repart là-bas, parce qu'il n'y a pas de lumière ici. Collègue, reste derrière. Ok. Ah, il y a McDo à Waris.
Ah bon, oui, il y a un McDo. Ah oui, il y a un McDo là-bas. McDo, ouais. Yes, yes, les policiers vont nous ramener au McDo, les abonnés. C'est pour ça qu'ils nous arrêtent. T'as dit quoi, Carlos? C'était pas un McDo. Bah, si c'est un McDo, regarde le M de McDo. Dites-nous les abonnés dans les commentaires si vous pensez que c'est un McDonald's ou pas. Moi personnellement, je pense que c'est un McDonald's. En tout cas, Dédé lui aussi pense. Du coup, je pense qu'on a raison tous les deux. Bien, bah, vrai, oui, Dédé, oui, bien, on va au drive. Mais c'est le drive, ça? Bah, je crois, oui. Eh, monsieur Zalien, c'est le drive ici? Non, ça c'est notre piste pour faire décoller nos baignoires volantes. Attends, quoi? De quoi? C'est vos navettes volantes, ça? Nos baignoires volantes. Les gars, sur la planète de Mars, les aliens, ils ont des baignoires volantes et tout. Oh, est-ce que, promis, je reviens, mais est-ce que je peux en tester une, s'il vous plaît? Non, absolument pas, vous allez partir en garde à vue, vous allez vous taire tout de suite. Et quoi? Carlos, s'il te plaît, demande-leur que je teste. Regarde ton Merci, monsieur. C'est marqué. Tiens, regarde, alors, attends. Attends, regarde, Dédé, il s'est marqué pas McDo, c'est pas... Ah, si, c'est bien McDo. Tiens, Carlos. Mais, ouais, regarde, il nous a ramené un cheeseburger. D3. Voilà, c'est pas français, ça. Attends, c'est marqué... je sais pas, je connais pas l'alien, moi. Carte de police, punaise, vous êtes d'un bel ou quoi? Poste de police, moi, c'est mal écrit, ils savent pas écrire les aliens. Dépêchez-vous, descendez. Attends, ça veut dire qu'on doit descendre? Oui, descendez. Moi aussi, là, je schnock. Ok. Vas-y, on descend. Oh, ok, bon, on va s'asseoir là. Je m'assois ici. Oh, salut les copains. Oh, y'a Zouzoul. Ça va, Zouzoul? Bah oui, ils m'ont pris de court. Oh, mais toi aussi, toi, mais oui, j'étais aux toilettes, ils sont venus. Aucun respect. Oh, punaise, mais on a vu, il y avait un trou dans le temps. On s'est dit, oh, tu t'es enfui et tout. Non, ils t'ont arrêté. Ah, non. Toi aussi, t'avais pas tes papiers? Ah non, je les avais laissés. Oh, punaise, les gars, Zouzoul aussi n'avait pas ses papiers, les abonnés. Du coup, se dire qu'on n'est pas les seuls. J'espère, les gars, que ça va pas partir loin. Parce que, imaginez, en fin de vidéo, ils nous disent qu'on va dans la prison des aliens. Oh, c'est-à-dire que le prochain épisode, on ira dans la prison des aliens. Mais on sera vraiment dans un sacré pétrin. Il va y avoir plein d'aliens qu'on ne connaît pas, les abonnés. Et nous, on ne connaît pas, vu qu'on n'est jamais venu sur Mars. On ne sait pas le fonctionnement de comment ça peut marcher là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Carlos, asseyez-vous. Ok, ouais, je m'assois. Vas-y, Dédé, assieds-toi. Ah, mais c'est Zouzoul. Oui, c'est Zouzoul. Conclure bien clair. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Mars? Vous êtes venu nous envahir, c'est ça? Avant de nous poser des questions, vous allez baisser votre arme, sinon nous ne comparons pas. Oui, c'est vrai que vous êtes en train de pointer avec vos armes, là, sérieux. Assieds-toi. Carlos, assieds-toi, Carlos. Oui. Bon, on leur dit ce qu'on est venu faire. On est venu tout piquer ici. Tout piquer. Quoi? Dédé, arrête de raconter n'importe quoi. Non, c'est blague, ça proche. Ouais, faites attention. Oh, les gars. Faites attention. Ok, mais monsieur, vous pouvez aussi vous asseoir sur vos trucs, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes assis sur le bureau, c'est un peu impressionnant. Ça me stresse, moi. Ouais, moi aussi, ça me stresse, Carlos. Arrête-toi avec ton arme, ça fait peur, ton arme. Moi, je coopère pas avec vous. Je coopère pas, si, Carlos, tais-toi, sinon après, ils vont pas nous lécher. Mais dites-nous, vous avez des questions à nous... Attends, t'es dégueulasse, Carlos. Dites-nous, vous avez des questions à nous poser? Oui, vous êtes venu nous envahir, du coup, c'est bien ça. Attendez, hop, tenez, vous pouvez parler. C'est quoi ça? C'est un micro. C'est une guitare. Ok, bon bah les gars, attendez, attendez, je vais juste voir votre micro. C'est une guitare. C'est une guitare, ça, c'est pas un micro. Micro, d'accord. Ah oui, ok. Ah d'accord, sur leur planète, Dédé, c'est des micros. Ils sont malades. Bon, on va dire oui. Ouais, ils sont malades. Ils sont malades. Bon, du coup, les gars, non, nous, on n'est pas venus vous envahir, on est venus voir des copains à Carlos ici sur Mars. Non, je ne vous crois pas. Ah, Carlos, donne-leur tes papiers. Moi. Bon, alors, je suis Carlos Lallan, je suis fils à ce que... Oh, mais Carlos, il s'en souvient pas du nom de son papa et de sa maman. Non, c'est pas ça, c'est juste un regard bizarre. Oui, c'est vrai qu'il te regarde bizarre, Carlos. Dis-moi pas que t'as fait une bêtise sur Mars avant de partir. Collègue, je crois que c'est le fugitif qui a pissé partout. Carlos, non, mais t'es recherché par la police sur Mars. Non. Mais t'as raison. Oh là là, on est dans le caca. On est dans le caca, ils vont nous mettre en garde à vue. Monsieur, levez-vous. Non, ils vont l'arrêter. Vous l'arrêtez pourquoi, monsieur? Pour avoir fait pipi? Mais... Touchez ça, on va faire un test. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça là. Il touche une haltère, les gars. Oui, c'est bien lui. Entrez Carlos, mais oh, il s'est fait arrêter, les gars, parce qu'apparemment il a dégradé le sol de Mars. Ils aiment pas ça. Ah, Warren, t'inquiète, je vais essayer d'arranger. Monsieur, vous l'arrêtez pourquoi? Vous l'avez arrêté pourquoi? Pour avoir fait pipi partout? Oui. Ah, mais je croyais que c'était pour avoir été le pote à Uscose, c'est pour ça que j'ai peur. Ah ouais? Mais arrête, on va se faire arrêter nous aussi! Non, monsieur! Punaise, on est arrêté, je crois, nous aussi! Asseyez-vous, on va finir le questionnaire. Ok. Bon, bah, on va laisser Carlos avec Zouzou, et nous, on va discuter aussi avec les aliens. Ok. Et bon, le micro, on va le mettre ici, tac. Va vérifier qu'il s'enfuit pas, s'il te plaît. Alors. Ouais, fais la garde, au pire, le collègue. Pendant ce temps-là, toi, là, le vieux,
Tu m'as vraiment dit que... Mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Tu veux que je te cagnasse ou quoi, toi? Il a dit le vieux, Dédé. Comment? Ouais, le vieux. Oh, Dédé, parle pas de... T'es beau gosse, t'es beau gosse. Excuse-toi, excuse-toi, Dédé. Pardon, 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 gentil monsieur. T'es sérieux ou quoi? T'es vraiment le pote à Usko? Non, mais non, mais non, justement, c'est mon copain à gauche qui... Mais non, c'est une blague, il est pas le pote avec Usko. Non, c'est pas possible. Attendez, on va faire un test de vérité. Hop. Oui. Oh punaise, Dédé. Vas-y, Dédé, fais le test de vérité. Okay. Dis, je suis pas le pote de Usko. Ok. Abouariz est le meilleur ami à Usko. Ok. Hop. C'est faux, c'est faux. Monsieur, suivez-moi, dépêchez-vous. Quoi? Mais c'est faux, oh, les abonnés, non? Allez dedans. Oh punaise. Reste ici. Oh punaise. Bon bah, du coup, je pense qu'ils vont finir l'interrogatoire. Mais Zouzoul, toi, ils t'ont arrêté pourquoi? Ben, j'ai pas mes papiers. T'avais pas tes papiers. Et Carlos, hey, par contre, faut que tu m'expliques là, c'est quoi ce bordel? Oh, partir, j'ai pas fait exprès, j'ai pissé partout, Abouariz. Oh punaise, mais Carlos, il est vraiment bête. Les gars, si vous comprenez pas, en fait, Carlos, simplement, ce qu'il a fait, c'est que quand on était venu sur Mars la première fois avec mon fils et qu'on l'a récupéré, Carlos, en fait, apparemment, il avait fait, bah, il avait dégradé sa planète, il avait fait pipi de partout et du coup, bah, il a arrêté pour ça. Pourquoi vous avez pas le droit, Carlos? Il faut, faut faire pipi dans les toilettes, c'est ça? Oui. Je pisse dessus, moi. Mais non, Dédé, tu vas être arrêté, toi aussi. Non. Oh punaise, mais il va être arrêté aussi. Oh Dédé, t'es bébête, non, t'aurais pu nous libérer d'ici. Je t'en désapprends. Attends, je suis en train. Mais c'est pourquoi je t'ai pas dit, là j'ai pas dit mon papa tout à l'heure. Non, pourquoi? Parce que mon papa, il a pas de très bons antécédents judiciaires. Oh les gars, toi aussi ton papa il a fait des bêtises sur Mars. Bon, du coup les gars, apparemment le papa de Carlos a aussi fait des bêtises sur Mars. Du coup Carlos ne voulait pas dire le nom de son papa. Mais bon, je pense qu'on découvrira plein de choses les gars dans les prochains épisodes. En tout cas, je sais pas combien on va rester de temps ici et je sais pas s'il va nous mettre en prison. Je pense qu'ils vont réfléchir entre eux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les abonnés. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dédé, tu penses qu'on va aller en prison toi? Oui, j'espère qu'on va y... j'espère pas qu'on va y aller, non? Oui bah non, on va pas y aller. Carlos, tu penses qu'ils vont nous mettre en prison? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas les papiers, les abonnés, du coup, je pense qu'on va vraiment retourner en prison, les gars, dans la prochaine vidéo. J'ai vraiment peur, j'espère qu'on va pas y aller, les gars. Dites-nous dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Du coup, franchement, regardez-le, c'est vraiment très important. Demain, les gars, c'est 17h15, je compte sur vous, voire même plus tôt, ça se trouve demain qui sortira vers 10h, voire 11h, vu qu'on sera dimanche. Du coup, nous, on se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Abouariz, Carlos, Dédé et Jujul, les gars, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.